toujours à la même table dans le bar. Elle somnole au large du comptoir. Ses doigts tout ridés tremblotent autour du café noir. Madame Durand, encore si jolie, au crépuscule de sa vie, s'accroche à quelques souvenirs sépia, un peu ternis. Elle revoit son papa, toujours bourru, auprès du four à bois. Elle sent encore la main du petit gars, la toute première fois. Madame Durand, la machine à remonter le temps. Madame Durand, le marche d'un instant. Madame Durand, les souvenirs forment la vieillesse. Madame Durand, profitez-en. Tant qu'il en est encore temps. Les soupirs par-ci par-là, la font frémir du haut jusqu'en bas. Seule chez elle, ce serait trop dur, alors autant être là. Elle trouve que le sucre fond plus vite chaque saison. Et sa fille ne donne pas de nouvelles depuis Noël. Elle fut si douloureuse, la naissance de cette petite furieuse. Eugénie était fragile, et quand elle apparut, le père quitta la ville. Madame Durand, la machine à remonter le temps. Madame Durand, ne marche qu'un instant. Madame Durand, les souvenirs forment la vieillesse. Madame Durand, profitez-en. Madame Durand redevient Mademoiselle Durand. Pendant juste un moment, le rose étalé sur ses pommettes vire au rouge brillant. La première fois à Royan, découvrir la plage et l'océan. Et Monsieur Paoli, si élégant, elle qui n'avait que 16 ans. Les lumières qui scintillent dans le bal des pompiers de la Bastille. L'odeur chez la grand-mère, engrangée par tous les mois d'hiver. Madame Durand, la machine à remonter le temps. Madame Durand, ne marche qu'un instant. Madame Durand, les souvenirs forment la vieillesse. Madame Durand, profitez-en. Tant qu'il en est encore temps. Tant qu'il en est encore temps.